moi, la calligraphie arabe, ça restera toujours une activité principale. Je travaille et je découvre chaque fois de nouvelles techniques, chaque fois je découvre de nouveaux auteurs. Je suis constamment à la quête d'une découverte, à la quête de nouveaux traits, à la quête de nouveaux dessins. J'ai toujours envie d'aller plus loin. Donc je n'ai pas du tout l'intention de m'arrêter. J'ai commencé la calligraphie assez tard, puisque ça fait à peu près une dizaine d'années. Par hasard, un jour, je suis allé voir une exposition et il y avait des œuvres d'Hassan Massoudi qui m'ont surpris. Parce que c'est un grand coloriste, c'est quelqu'un qui met énormément de couleurs, des couleurs très, très vives, très fortes. Et l'écriture arabe, ça m'a vraiment stupéfait. Et je me suis dit, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, quoi, que tu essaies de faire la même chose. Et donc j'ai téléphoné dans son centre à Paris, à l'époque j'habitais en province, et je lui ai demandé s'il donnait des cours. Et il m'a dit que oui, et je me suis inscrit à un cours, à un stage. Et j'ai eu cette envie très forte, vraiment, d'apprendre et de passer des heures et des heures. Et je passais tous les jours, une heure au moins, à faire des bâtons, des traits, à tourner, etc. À maîtriser le kalam. Voilà. À Jérusalem, je veux dire à l'intérieur des vieux remparts, je marche d'un temps vers l'autre sans un souvenir qui m'oriente. Les proverbes là-bas se partagent l'histoire du sacré. Ils montent aux cieux et reviennent moins abattus et moins tristes, car l'amour et la paix sont saints et ils viendront à la ville. Je demande une pente, marmonnant, comment les conteurs ne s'accordent-ils pas sur des paroles de la lumière dans une pierre? Les guerres parlent-elles d'une pierre enfouie? Je marche dans mon sommeil, yeux grands ouverts, dans mon songe, je ne vois personne derrière moi, personne devant, toute la lumière m'appartient, je marche, je m'allège, vole et me transfigure. Il faut que je retravaille là. Je cherche tout le temps. Pour moi, d'une manière générale, la poésie, les arts, que ce soit la calligraphie, les peintures, les sculptures, etc., c'est une découverte permanente, parce que cette richesse culturelle est immense. On découvre sans arrêt de nouvelles choses, on voit de nouvelles choses. Et pour moi qui suis occidental, c'est tous les jours une découverte. Effectivement, il y a eu plusieurs rencontres de poètes arabes. Il y a d'abord eu, bien sûr, Mahmoud Darwish, qui a été le grand révélateur pour moi. Donc après, j'ai continué quand même à lire d'autres textes, des textes de Khalid Gibran, tout simplement d'Adonis,
J'ai aussi lu des textes, des proverbes arabes, enfin plein de choses. Là, j'ai une bibliothèque pleine de bouquins bilingues. Il y a largement de quoi faire pendant encore des années et des années, quoi. C'est une rencontre avec un ami qui est professeur de littérature arabe à la Sorbonne, à Paris, et qui m'a fait découvrir la poésie arabo-andalouse. Et on a monté un projet ensemble. Et ce projet ensemble, ça a consisté à réaliser une douzaine de calligraphies dans lesquelles on retrouve tout un thème couleur et un thème de texte sur la poésie ancienne. J'aime beaucoup cette poésie parce que elle est étonnante, elle est surprenante. On a en particulier sur une dimension de l'amour qui est extraordinaire, qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui quand on regarde cette fameuse poésie, quoi. Et puis derrière, il y a aussi toute la culture arabo-musulmane. Cette culture que là aussi j'ai découvert en même temps, d'une certaine manière, ça m'a donné un angle de vue différent de celle que j'avais jusqu'à présent. Et depuis, les choses se sont construites avec le temps et j'ai appris à aimer cette culture. Et maintenant, je m'y sens presque comme chez moi. Dire que je parle arabe, parce que même si je connais quelques mots, même si je reconnais toutes les lettres, mes parents sont chrétiens, je suis né en France, dans le centre de la France, rien plutôt ne m'incitait à faire de la calligraphie arabe. Mais j'ai dit à tout le monde ici à Manosque que je suis le seul arabe de Manosque qui ne frise pas.